Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de principe d'inertie pour les élèves de tronc commun sciences options français. Et nous allons voir un exercice à la fin de cette vidéo. Alors on commence par les effets d'une force sur le mouvement. Alors, une force est capable de mettre en mouvement ou bien de modifier le mouvement. Ça veut dire de modifier la trajectoire ou bien la vitesse. D'accord? C'est ce qu'on appelle la force. On prend l'exemple d'une force exercée par le pied sur le ballon. Ça veut dire le pied d'un joueur. Dans le référentiel terrestre, le ballon est initialement immobile. Ça veut dire le joueur n'a pas encore tirer le ballon, d'accord? Donc, la force, après le tir, la force a pour effet de mettre en mouvement le ballon, d'accord? Donc, voilà la notion d'une force. Alors, maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un système isolé et qu'est-ce que c'est qu'un système pseudo-isolé, d'accord? Alors, on commence par le système isolé. Alors, un système est mécaniquement isolé, ce n'est soumis à aucune force. D'accord? Ça veut dire il n'y a pas de force. Et ce genre de système n'existe pas en pratique. Il y a toujours le poids du système, d'accord? Et des frottements. Toujours. D'accord? Donc, le système isolé, il n'existe pas dans la réalité, d'accord? Alors, maintenant, on va voir le système pseudo-isolé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système pseudo-isolé? Donc, un système pseudo-isolé, c'est les effets des forces extérieures, alors auxquelles elle est soumise, ce qu'on pense. Ça veut dire quoi? Ce qu'on pense, ça veut dire la somme des forces égale zéro. D'accord? Égale un vecteur nul. Alors, exemple, on considère un mobile autoporteur sur une table à coussin d'air. Voilà le schéma. Donc, les forces appliquées sur l'autoporteur sont, alors, son poids, pi, et la réaction R. La force de la réaction de la table sur l'autoporteur compense le poids de l'autoporteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des deux forces égale 0, bien égale au vecteur nul. Ça veut dire P plus R égale vecteur nul. D'accord? Alors, nous allons voir une expérience qui vous l'avez vu dans le laboratoire avec vos professeurs, d'accord? Alors, on lance un autoporteur sans rotation sur une table à cosin d'air horizontale et on obtient l'enregistrement numéro 1, d'accord? Donc, voilà l'autoporteur, d'accord? Donc, il y a deux points, d'accord? Le point B, d'accord? Et le point A. C'est clair? Alors, lorsqu'on lance l'autoporteur sans rotation, d'accord, sans rotation, on trouve l'enregistrement, d'accord, suivant. Donc, comme vous voyez, on a trouvé deux trajectoires. La trajectoire du point A, d'accord, elle est rectiligne, c'est clair. Voilà. Et la trajectoire du point B, elle est aussi rectiligne, c'est clair. Donc, voilà le premier enregistrement. D'accord? Maintenant, on passe à deuxième expérience. Alors, dans cette expérience, nous allons lancer un autoporteur S, mais cette fois avec rotation. Ça veut dire lorsqu'on lance l'autoporteur, on fait une rotation, d'accord? Sur une table à cosin d'air horizontale. Et on obtient l'enregistrement numéro 2. D'accord? Donc, voilà l'enregistrement qu'on a trouvé. D'accord? Dans cet enregistrement, il y a aussi deux trajectoires. La trajectoire du point A,
Donc, il est rectiligne, comme vous voyez, d'accord? Ça veut dire n'est pas changé, d'accord, par rapport au premier enregistrement. Par contre, la trajectoire de B, elle est curviligne, parce que elle est changée, d'accord? Dans l'enregistrement numéro 1, elle était rectiligne, mais dans l'enregistrement numéro 2, elle est tout simplement curvée. Donc, la question qui se pose, alors pourquoi la trajectoire de A n'est pas changée? Par contre, la trajectoire du point B, elle est changée. Donc, la réponse, c'est très simple, parce que le point A est le centre d'inertie de ton porteur. D'accord? Par contre, le point B, c'est un point quelconque de périphérique de l'autoporteur. D'accord? Donc voilà, comme vous voyez, donc le centre de gravité ou le centre d'inertie, ou bien le mouvement du centre d'inertie ou bien le centre de gravité, il est toujours rectiligne. D'accord? Il est toujours rectiligne. C'est clair? Donc voilà. Le centre d'inertie. Donc, le centre d'inertie, d'après bien sûr les deux expériences, le centre d'inertie d'un solide indéformable, c'est le point qui appartient au solide. Et c'est le point qui garde toujours un mouvement rectiligne uniforme lorsque le solide est pseudo-isolé. C'est clair? Donc, voilà la définition du centre d'inertie. C'est clair? Dans un référentiel terrestre, soit un solide sur lequel s'exercent des forces extérieures. Il faut faire attention. Des forces extérieures. C'est clair? Qui se compensent? Qu'est-ce que ça veut dire se compense? Ça veut dire la somme des forces égale zéro. Ça veut dire vecteur nul, d'accord? Alors, il y a deux cas. C'est V initial égale 0. Ça veut dire qu'il est immobile. Alors, le solide reste immobile. C'est clair? Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de mouvement. Tout simplement. C'est clair? Deuxième cas. Si V initial différent de 0, alors le solide a un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? À la vitesse V initiale. C'est clair? Donc voilà le principe d'inertie, ou bien l'énoncé du principe d'inertie. D'accord? Donc c'est l'énoncé du principe d'inertie. Donc vous avez deux cas, soit il est en repos, ça veut dire la vitesse égale 0, soit la vitesse différente 0, alors le solide a un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Avec la vitesse V initiale. D'accord? Alors, le centre de masse de quelque... Le centre de masse au barycentre de quelque solide homogène, d'accord? Par exemple, l'anneau. Voilà le centre d'inertie de l'anneau. Donc, il est homogène. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? Ça veut dire... La masse volumique, elle ne change pas dans tous les points de solide, d'accord? Sphère, voilà le centre d'inertie d'une sphère, de cylindre, carré, rectangle et disque, d'accord? Voilà quelques solides, tout simplement. Solides homogènes, d'accord? Alors, centre d'inertie d'un système. Pour un solide, quelqu'un constitué d'un ensemble de solides de centre d'inertie, tout simplement G1 pour le solide S1 de masse M1, G2 du solide S2 de masse M2, jusqu'à par exemple Gn de masse Mn, d'accord? Plusieurs solides, d'accord? Alors constitué tout simplement un ensemble de solides, d'accord? Le centre d'inertie G
du solide S est définie par la relation suivante. Ça veut dire on peut déterminer G en utilisant la relation suivante. D'accord? Voilà la relation. Donc OG, attention, le point O, d'accord, peut être choisi arbitrairement. D'accord? Vous pouvez choisir O comme vous voulez. D'accord? Pour fixer cette relation, nous allons voir un exercice corrigé. D'accord? Donc OG est égal à la somme, d'accord, la somme de 1 jusqu'à N, ça veut dire selon le nombre de solides, de l'ensemble de solides, d'accord. Par exemple, lorsque vous avez 2 solides, donc il y a 2, de 1 jusqu'à 2, d'accord. Lorsque vous avez 3, de 1 jusqu'à 3, d'accord. La somme de quoi? La somme de la masse, d'accord, la masse fois OGE, d'accord. La masse 1, par exemple, la masse M1 fois OG1 plus M2 fois OG2 plus M3 fois OG3 plus M4 fois OG4, d'accord, sur la somme des masses. Si vous avez 4 solides, donc vous avez M1 plus M2 plus M3 plus M4. Vous avez 2 M1 plus M2, d'accord. Voilà, donc on va faire un exercice, d'accord. Le système ci-dessous, figure 1, d'accord, est formé d'une barre homogène, d'accord, il est homogène, dont l'épaisseur est constante, de masse M1 et d'une boule, voilà, la boule, d'accord, de masse M2. Les points G1 et G2 sont respectivement les centres de gravité G1 de la barre et G2 de la boule, d'accord. Donc la question, où se trouve le centre G par rapport à G1 au G2? D'accord? Alors, comment déterminer le point G? Ça veut dire le centre de gravité de l'ensemble des solides. Donc dans l'ensemble, vous avez deux solides ici. D'accord? Donc vous avez une barre de masse M1 est égale à 1 kg et vous avez la boule de masse M2 est égal à 2 kg. D'accord? Et la distance entre G1 et G2, c'est 1 mètre. C'est clair? Alors, essayez de faire l'exercice avant de commencer la correction. On passe à la correction. Alors voilà, donc le schéma, cet exercice. Donc voilà, vous avez une barre, d'accord, de masse M1 est égale à 1 kg et de centre de gravité G1 et une boule de masse M2, 2 kg. Et de centre de gravité G2. La distance entre les deux centres de gravité, c'est 1 mètre. Ça veut dire entre G1 et G2. Alors, pour trouver le centre de gravité de deux solides, ça veut dire de la barre et de la boule, nous allons appliquer la relation, tout simplement, de centre de masse. D'accord ? Donc, on sait que OG est égal à la masse de la barre fois OG1, centre de gravité de la barre, plus la masse de la boule fois OG2, G2, centre de gravité de la boule, sur la somme des deux masses, ça veut dire la masse de la barre plus la masse de la boule. D'accord?
Alors, on considère que le point O est coïncide avec G1. D'accord ? Ça veut dire qu'il est confondé avec G1. C'est clair ? Vous pouvez considérer ce point confondé avec G2, par exemple. D'accord ? Donc, vous avez le choix. En remplaçant O par G1 dans cette expression, alors nous trouvons G1, le vecteur G1, G égale M1, G1, G1, voilà, plus M2, G1, G2 sur la somme des masses. D'accord ? Et mathématiquement, lorsque vous avez une vecteur G1, G1, donc c'est un vecteur nul, tout simplement. Donc égale vecteur nul. D'accord ? Parce que AA, le vecteur AA ou bien le vecteur BB ou bien le vecteur CC dans les mathématiques égale 0. C'est clair ? Donc, cette expression devient M2 G1 G2 sur la somme des masses. Alors on aura 2 G1 G2 sur 3. Lorsqu'on veut trouver la distance G1 G, tout simplement on va faire la norme de ces deux vecteurs. D'accord ? La norme de G1 G égale la distance G1 G, d'accord ? Égale 2 sur 3. La norme de G1, G2, d'accord, est égale tout simplement 2 sur 3, la distance G1, G2, est égale 2 sur 3 mètres, parce que la distance G1, G2 égale 1 mètre, d'accord. Pour placer le point G, je préfère d'utiliser le vecteur. Pourquoi? Parce qu'on va diviser la distance G1, G2 sur 3, puisqu'on a dans le dénominateur 3, d'accord. Ça veut dire G1, G2 divisé par 3. Donc, on va diviser G1, G2 par 3. Donc, voilà. On divise cette distance en 3 parties. D'accord ? Voilà. Donc, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Et G1, G2, ça veut dire de G1 vers G2. Donc, on commence par ce point. Donc, voilà 1 sur 3. D'accord ? Donc, voilà 1 sur 3. 2 sur 3, d'accord. Et puisqu'on a G1, G égale 2 sur 3, G1, G2, on va dire 2 tiers, donc le point G, il se place ici, d'accord. Donc voilà, le point G, voilà le centre de gravité de ces deux solides, d'accord. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. Et aussi la fin de la leçon. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.